Bienvenue sur Delimars, je suis Técamon. Aujourd'hui, on va découvrir un jeu tiré de l'écrivain gallois Ken Follett, spécialisé en romans d'espionnage et historique. The Pillars of the Earth, en français, les piliers de la Terre. C'est un roman qui parle du Moyen-Âge. Ça va être un jeu d'aventure. Alors, pour faire simple d'abord, ce jeu est sorti sur Steam le 15 août 2017. Et le premier livre qu'on va découvrir, donc, c'est Dans les cendres, car c'est un saison pass à 30€. Le livre 2 qui viendra prochainement, ce sera Qui sème le vent, le troisième Au cœur de l'orage. Chaque livre est composé de 7 chapitres, donc ça fait 21 chapitres à explorer. C'est un jeu d'aventure point and click indé, bien sûr, puisque c'est le développeur-éditeur d'Idyllic Entertainment, l'équipe allemande. Aventure médiévale, comme je vous disais, point and click violent, solo, donc violent Peggy 16. Et vous verrez surtout dans la bande-annonce, car là nous allons explorer la première demeure, même pas, peut-être 20 minutes plutôt de jeu. Voir un petit peu ce qu'il en est ensemble. Les sous-titres seront en français, donc l'audio anglais. Et je pense qu'on va y aller, quoi, tout simplement. Dans les cendres, livre 1, nous y voilà. Composé en 7 chapitres, donc évidemment, nous on va explorer un petit peu le premier chapitre, et c'est le moine. On aperçoit l'abbaye de Kingsbridge au loin. Un monologue. King Henry of England, son of William the Conqueror, had died. It was a time of poverty, death. Pour faire simple, c'est une guerre de succession qui va arriver. Some had come to believe Christ and all his saints had gone to sleep, and that the pillars of the earth themselves had begun to crumble. Allez, on va caresser le poney. Brave petite bête. Is there no one to welcome us? Who goes there? Ah, il y a un novice qui était là. You just crossed the bridge, right? That'll be a farthing for you and a penny for your horse. C'est pour le péage, d'accord. Oui, il est mignon, mais nous on vient au priori. Ah, sorry, I'm not good at this. I told Brother Paul. It's not easy doing the Lord's work when you're hungry. On va pas être sympa avec lui comme service. The prior know you neglect your duties. C'est vrai qu'il était plutôt oisif pour aller au péage. Hein. Alors il parle de frère Paul qui doit être là. Take care of my horse, I'm late. I'll just leave it with me. I'll get it down to the priory later, once I've caught myself a fish down here by the river. Fresh fish is much better than the salted ones they feed us. D'accord. Prior James will hear about this. Prior James? That's him the bells are tolling for. Ah, c'est pas bon signe, ça. The devil has come to Kingsbridge. Ok, on pourra faire des citations si on veut sur la Bible. On va aller voir plutôt la hutte. Frère Paul devrait être là. Trouver le prieur James. Il n'y a personne. Chemin entre les arbres. Ah, j'aime bien explorer au départ. Hein. Personne ici. Le novice était là-bas. Il n'y a personne, hein. Pour le poney. Non, il n'y a rien de plus ici. Une roche calcaire. Bon. Pas de frère Paul. On va aller au prieuré. Hein. Et est-ce qu'on peut donner du coup au poney de Philippe? Ah bon, d'accord. Je croyais qu'on pouvait donner la bestiole. Alors nous, on veut aller la route de Kingsbridge. Hello. Oh, ici. Personne dans le village. I'm sure there was someone moving behind a window, but most houses are empty. Ouais, c'est un peu la pauvreté absolue, hein.
Allez, on se rend dans le prieuré. Trouver le prieur James. Porte de la cuisine, l'hôtellerie, le cloître. On va aller dans la cathédrale directement. On voit qu'elle est un peu abîmée. Hein. Why did they lock it? Maybe the side entrance is open. On va passer par le cloître. Il y a une réunion, ça parle. La salle du chapitre, chemin vers un cimetière. Donc la salle du chapitre, c'est là où ils font des réunions. Frère Remigius, grand parleur. Hein. The pestilence that rode in on the lightning that struck our cathedral 4 years ago. Did you not all feel its presence here ever since? James did, and I did as well. But the Lord says, because he hath set his love upon me, therefore will I deliver him. Our beloved Prior James has served the Lord all his life. He shall be delivered from the darkness, from this dark earth. Prior James? Philip. Francis? For many years, James has been bon, on les dérange apparemment. After the upcoming election, I vow to lead. Ah d'accord, Remigius se propose d'être le nouveau prieur. Première information. Amen. Bon, on les a interrompus. Philip, we told your brother you'd come to Kingsbridge New Year's Day. I did not expect to see you here. I was on my way back to Gloucester and wanted to see you. A priest working in the world of politics. You must tell us about it. Voilà, tout le contexte se met en place, on va mieux comprendre en fait. And his brother a prior of what now? 2 years? Donc Francis est son frère, d'accord. Il est pour Rome un petit peu. La négociation pour le Seigneur. Et nous avons Cuthbert Emilius. How are things in St. John in the Forest? J'irais même mieux qu'à Kingsbridge. Bah oui, vu l'état de l'église, d'une tour est tombée. Better than here in our mother house, Kingsbridge, it seems. I wanted to use my New Year's visit to talk to Prior James about this. James did the best he could, Philip. If you had been here, you would know that. Donc ça confirme son décès. No, you're right, Philip. With a limp hand on the tiller, a ship is blown about at hazard and goes nowhere. James meant well. Of course he did. Please forgive me. On va les laisser finir leur dialogue et on va commencer à enquêter, je pense, après. Come by the kitchen later to see us, will you? La cuisine, d'accord. Cuthbert veut parler avec nous. Brother Cuthbert seemed upset. Well, we all are. The way James died was disturbing. Alors, je ne sais pas si ça vous fait penser un petit peu, mais ça me rappelle légèrement le nom de la rose. Avec des enquêtes, le diable. Alors comment est-il mort déjà? Disturbing? How did Prior James die? 7 days ago, Brother Remigius found James's room empty. Toujours Remigius. For hours. Then we found his footprints by the bridge and a
a hole in the ice. Oh, no. No. In the small hours of Christmas Day, he must have walked out on the river. Évidemment, à cette époque, on mourait assez facilement. Et est-ce que c'était innocent? Je ne vais pas dire que je vais être machiavélique, mais je sens qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver. D'accord, tous les acteurs se mettent en place. Philippe dans la cathédrale, Cuthbert dans la cuisine. It's good to see you, Philip. Maybe things will get better after the chapter elects the new prior. Hopefully. I will come by the kitchen later, Milius. Très bien. Peut-on cette fois aller dans la cathédrale? La porte est-elle ouverte? Nous le saurons dans le prochain épisode. Non, je blague. Allez. Oui, le frère Francis est là. Alors j'aime beaucoup les plans avec les chants qui se mettent en place, les dialogues. Bon, c'est son frère, donc on va dire qu'il est content de le voir déjà. I'm happy to see you, little brother. It's good to see you too, Philip. Your hair is starting to get a bit grey. Yours isn't. But at least in this one case, I will be the one to boldly charge ahead of you. You've always been bold. You just don't admit it to yourself. Francis. Voilà, on rentre dans le vif du sujet quand même. King Henry is dead. I know. Word reached St. John shortly before I left. First the king, now Prior James. Le diable, non, on va pas être stupide. Je pense que Philippe est aussi intelligent que nous. Dieu a un projet. God has a plan. I know he does, but Francis est plus terre-à-terre, plus pragmatique. Ouais, c'est ce que je pense, donc ça va vraiment être une guerre de succession. Note de Francis, rivalité pour le trône. Et on va voir un premier document à analyser. De longues années durant, le feutre roi Henri est resté dépourvu d'héritier. Nombre de ses proches étant noyés en traversant la Manche au cours d'une sombre nuit de 1120. Donc il a dû perdre son fils. Sa fille Maud avait finalement donné naissance à un fils. La dernière volonté d'Henri... Là, j'ai sauté, excusez-moi. Fut donc de que son petit-fils continue à régner en tant que Henri II. Donc je vais vous le résumer un petit peu, mais il se trouve qu'il a un autre neveu. Alors, quel rival va arriver? Le cousin de Maud, tout simplement, voilà. Un neveu du roi Henri, de feu Henri, Stéphane de Blois, qui traverse la Manche depuis la Normandie, d'accord, et s'est emparé du trône par la force. Donc la trame est posée. Il va falloir survivre à tout ça. Merci à Francis d'avoir informé. De demander alors comment on peut aider ou on ne s'implique pas. On va faire un choix, mais comme nous, on va aller dans l'histoire à fond, on va s'impliquer. Maybe we can. I came not just to meet you. I was sent to look for a messenger of my lord, Earl Robert. Here. Robert de Gloucester. Oui. Farmers said the messenger was heading for Kingsbridge 2 weeks ago. The knight was carrying a confidential document that might change the course of the conflict. People here trust you. Maybe the monks here know something. We will find him. One more thing. No one can know why we're looking for the knight. D'accord, trouver le messager, se renseigner. Bon. Nouvel indice, nouvelle question à poser. Qui apparaît ici? L'inventaire à gauche. C'est parfait. On a une fissure dans le mur. Ah. My hand would fit in there, but why should I soil my sleeve? D'accord. These walls. Ce n'est pas celui que je voulais. En fait, je voudrais aller de l'autre côté où il y a le cimetière. Ah bah il est derrière, là, je vois. En fait, il y a. D'accord. Bien. Et ici, on a la maison du prieur. On va demander à Arnaldus, tiens, s'il est au courant du chevalier, parce que c'est bizarre déjà la tombe. Say,
Has there been a knight to Kingsbridge? A knight? A knight, yes. A knight? Yes. He's here. Right here. Il est mort. Do you know who he was? How did he die? Brother Paul found him. Where Toujours is Paul? Paul? Down at the bridge, freezing his walnuts off, I reckon. He talked to him. I only put him in the ground. Il arrive dans un mauvais état, alors. Et son message, du That's coup... all I ever do. Do you have any idea what the knight was doing here? Probably tried to jump off the end of the world. What do you mean? There is nothing here. Kingsbridge lies at the end of the road. Nobody comes here. On sort en plus le chevalier, lieu actuel, le cimetière. Il y a des novices là, bien sûr. Est-ce qu'on peut leur parler? My father gave the priory a good deal of land to keep me fed. C'est un fils de bourgeois ou de noble. Me neither. Shall we go into the cellar again tonight? Yes, brother Marcus. You still have old Cuthbert's keys? Indeed I do. I hid them right in the church. Stuffed them in the large crack in the wall. I could do some crack stuffing myself. Les dialogues sont crus, donc évidemment, ce que je disais, c'est pas pour tout le jeune public. Un des officiers a dit qu'il avait caché les clés de Cuthbert dans une faille de la cathédrale. C'est peut-être pour ça qu'il fait la tronche aussi, ce moine. Et nous, on va aller voir frère Paul, quand même. Oui. Allez, on retourne au péage. Cette fois, je suis d'accord. La route vers le sud. Ah, et voilà frère Paul. On va directement lui demander, tiens, pour le chevalier. Brother Paul? Philip. Ah, ouch. Oh. Have you heard about a knight in Kingsbridge? A knight? Évidemment, il réfléchit. Hein. He was just lying by the road. Ah, il était déjà mort. A mile away from the priory. He must have fallen from his horse. Where is he now? He died. We buried him in the cemetery. L'autre frère, il dit que tu avais parlé avec. Did he say anything? No. He could not speak. But the look in his eyes told me he was afraid. I held his hand and prayed with D'accord. him. While he died. Did the knight have anything with him? There was a letter. I gave it to Prior James. Remigius will probably have the message, finally. Rest of James's papers. James insisted that all his books and documents should be burnt after his death, except for his Bible. Alors voilà qui pose problème pour Francis, finalement. The new prior will need those documents. Il va sauver ces documents-là. Sometimes I wonder if it was because of that letter. A few days later, Prior James fell through the ice. Right here. Philip, maybe I brought a curse on Kingsbridge. Je suis pas d'accord, on pourrait citer la Bible déjà. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. En ces temps sombres, de toute façon, seule la foi peut t'aider. Hein. You did well. Thank you, Philip. Vu que le peu de science est caché dans les textes des abbayes. Donc le chevalier de Francis portait une lettre, elle doit être dans le bureau du prieur. Nouvel objectif, très bien. Par contre, frère Paul, ça n'a pas l'air d'être top, hein, attends. Brother Paul, a word. On pourrait avoir les nouvelles du pied de Paul. On peut être humain quand même. Oh, just a chilblain. It will ease when the spring comes. You should have a fire. It's all right. It's not that cold. Don't take it lightly. Many will die this winter for lack of food or shelter.
Remigius thinks the Lord is testing us. Donc c'est Remigius qui t'oblige encore. Ah, d'accord. No, the poor perish, and those that he has freezing out here. Don't say anything, si, si. Remigius, will you? If he thinks I've been complaining, he'll be displeased. Bon, on a eu l'info de la lettre. Take care of yourself. It's getting colder, I think. On n'a pas de feu, on peut rien faire ici de toute façon. I think I'll keep them for now. D'accord, je vois pas trop à quoi ça servira. On va retourner. Hop. Et on va aller au prieuré. L'hôtellerie, la porte de la cuisine. On peut rendre visite quand même aux protagonistes, les premiers qu'on a rencontrés. Philip, brother Melius. Et en même temps, je serais tenté pour l'enquête. Mais on va aller voir Cuthbert en premier. Warm yourself by the oven. Is that Philip? Tell him to warm himself by the oven. Justement, parlant de feu. Thank you, brother Cuthbert. Ah, wonderful. I always put some extra stones on the stove to warm up water. Put one in your pocket, and you'll keep warm. Who? Ah, écoutez, ce sera une solution pour frère Paul. Oh, they're hot. Comment veux-tu prendre ça? On va aller voir Cuthbert. Déjà, j'ai pas de solution à l'inventaire pour l'instant. Ah, we were waiting for you. I hope you brought some of that wonderful cheese. Oui, oui, oui. Je l'ai pas donné aux novices au début. Hein. Je voyais bien qu'il était tenté à chiner dès qu'un moine arrive. Of course I did. Ok, on garde le tissu. Thank you. I will prepare it for our brothers on Sunday. Pour son entrée dans la cathédrale, bon. I'm sorry for how I talked to you about the priory earlier. It's just that at St. John's, we worked hard to become self-sufficient. We have given so much to Kingsbridge, our mother house. And the priory here is in a horrible state. La forme d'injustice est flagrante, je suis d'accord. Don't you think I know that? Ah. We should be rich. The priory has much land and collects. Ah, où est-ce que ça pêche? C'est bizarre quand même. Très mauvaise gestion, les gars. We are in debt. Our novices steal from us. Ah, ça, je l'ai vu. On a écouté tout à l'heure. The novices are stealing. Yes, someone took my keys. Remigius blames me for losing them. Donc Remigius a le rôle de sous-prieur, c'est normal. Il faut récupérer. Let us continue another time, brother Cuthbert. Très bien. Of course. Alors on a plusieurs choses à faire. On peut l'aider à retrouver les clés. On peut donner aussi à frère Paul une pierre chaude avec le tissu. Est-ce que ça marchera? Ça tombait bien finalement de donner le fromage. Oui. On la prend. Nice and warm. Alors on pourrait faire tous les dialogues, mais je vais plutôt avancer l'enquête pour vous montrer un petit peu. On va prendre la sortie. Vous allez donc deviner pour frère Paul ce qu'il faut faire, et nous on va aller au prieuré. Voilà. Et on va retrouver Remigius, puisque James n'est plus là, qui veut brûler les documents. Et nous on veut la lettre du chevalier. I asked not to be disturbed. Brother Remigius, I'm sorry I interrupted your service. You mean Prior James's service? Prior James n'est plus là. Quite so. I heard he fell through the ice. Horrible. Yes. I was the one who found his rosary by the river. Now let me continue my work. Bon, ce n'est pas un homme facile au dialogue.
Consultez les documents déjà. I would like to take a look at Prior James's documents. And why is that, Brother Philip? Well, our little cell has given much to the Mother House. I would like to ensure that all is accounted for. So you do not trust us, Philip, is that it? The state of this priory. The state of this priory is the concern of the prior. Mais ce n'est pas encore prieur, Remedius. I still would like to see the prior's documents. They will be burned tonight. I heard about that. Étant donné que Philippe a tout fait sur Saint John, sinon qu'il consulte, il peut avoir l'argument. But the new prior will be lost without the ledgers and contracts. After the election, I'll be the new prior. Il y a un côté intéressant sur la politique ecclésiastique aussi. Only the chapter meeting can decide on these matters. Of course. Brother Andrew will surely understand why you. Voilà, nouvel objectif, je sens qu'il pointe. Il crée une réunion du chapitre pour pouvoir discuter des documents à ne pas brûler. Ouais. Il faudra aller voir le sacristain. Philip of Gwynedd, I wanted to talk to you. How dare you disturb Brother Remedius? On voulait pas vous braquer. I'm afraid the choir is waiting for me. Stay, brother. There's no reason you shouldn't hear what Philip has to say for himself. Implorer le pardon ou à dire ce qu'on était sous le choc. I was shocked by the prior's death. We all were. Now, I'm sure at St. John's you're a good prior, but here we adhere to the rules. Alors, les livres du prieur ne devraient pas être brûlés. Ce serait l'argument de la réunion. C'est l'objectif. We can't allow Prior James's books to be burned. That, Philip, was Prior James's wish. This priory is in debt. And without the ledgers and documents, that will never change. Besides, the wisdom in his books is priceless. It is not up to you to make decisions in this priory, Brother Philip. On va citer les Écritures, ça va être poussé à argumenter. Do not domineer over those in your charge, but be an example to the flock. 1 Peter chapter 5. Je crois que ça a marché. You are right. You shall argue your case in front of the brothers in a chapter meeting today. Thank you, Brother Andrew. When I'm done here, I will tell all the monks to come to the chapter house. Would it help if I went and told some of them? Feel free to do that. But I insist that the choir finishes practicing before we start. They're already behind schedule. Très bien. Voilà, on a eu beaucoup d'informations sur cette découverte de Ken Follett et Pilier de la Terre. Alors, l'objectif maintenant, nous, on va aller à l'instant critique, mais vous, vous avez bien compris, il va falloir pousser, aider les frères qui n'ont pas eu encore de solution, comme Cuthbert avec ses clés, lui rendre. Il va falloir avertir tout le monde et organiser une réunion pour être, pour sauver en fait les documents du prieuré, trouver le courrier du messager de Gloucester peut-être, et également peut-être devenir le nouveau prieur de cette église. Passons maintenant à la critique du jeu, Ken Follett's The Pillars of the Earth, les piliers de la Terre. On l'aura compris tous avec la cathédrale, ce sera la suite des chapitres du jeu, on l'a exploré un petit peu ensemble. Donc, pour ce qui est du point négatif, honnêtement, je n'en ai vu aucun. Le seul truc, si je voulais vraiment chipoter, je dirais juste qu'il y a un petit décalage entre les voix des acteurs et les animations des personnages. Très petit, on voit que quand l'acteur a fini de parler, la bouche remue encore un petit peu. Voilà, c'est vraiment chipoté. Le positif, eh ben, très simple. Déjà, la bande son, le soundtrack et toute la musique est faite par l'Orchestre Philharmonique de Prague. Donc évidemment, une ambiance musicale magnifique, fantastique. Je vous montre les images d'ailleurs au passage. Les décors du jeu, tout a été peint à la main avant d'être touché ensuite à l'informatique. Je vous montre également des photos des studios de l'équipe. Là-dessus, ça vaut le coup. Les coupures de scène, enfin plein de petits détails fort sympathiques. Les voix off, évidemment, les voix d'acteurs anglais aident énormément à l'immersion du jeu. Car oui,
l'enquête, au début, ça peut être un petit peu surprenant, mais on s'y met dedans, on est vraiment pris dans l'intrigue, donc là-dessus, c'est excellent. Pouvoir continuer en off le livre 1 et au-delà, le livre 2, bon, je vous spoil un petit peu, on va passer à Jack, un petit garçon qui est abandonné dans les bois avec sa maman. C'est vraiment bien fait et on monte en puissance. La musique aidant énormément dans les conversations quand ça se passe mal ou bien, d'ailleurs. Alors évidemment, vous aurez compris le titre, Ken Follett s'est tiré du roman, donc le jeu est basé sur le roman. Les retours sur Steam par rapport au jeu sont extrêmement positifs, et d'ailleurs, personnellement, le plaisir d'aventure, d'enquête, d'écoute, et plein de petites choses que je ne vous ai pas montrées pour faire une vidéo pas trop longue, et chercher les endroits, aider un peu les moines. Donc tout ça rend le jeu très positif, je suis vraiment ravi, et j'ai hâte de voir la suite, puisque le prix lui-même, un prix à environ 30 euros. C'est un pass season, c'est-à-dire qu'on va avoir le livre 2 qui va arriver, le livre 3. On sait que l'aventure va continuer, va monter. Non, je vais le donner honnêtement une note 5 sur 5. Du gros plaisir, si vous aimez les aventures point and click, les enquêtes médiévales, comme le style Nom de la Rose, si vous vous souvenez un petit peu, allez-y, n'hésitez pas. Voilà, c'était Tekamon pour vous avec Daily Mars, et je vous dis à bientôt. Bye bye.